Égalité et respect sont deux termes qui ont l'air tout simples, évidents. Voilà, il faut respecter l'autre, on est tous égaux, etc. Et en fait, ça recouvre des confusions massives, énormes. Tenez, je parlais du mariage homosexuel. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas l'appeler mariage homosexuel? Voilà, mariage rose, mariage voilà, particulier, etc. Et, puisqu'il est quand même très minoritaire. Donc on dit égalité. Donc, mais les hommes, les humains ne sont pas égaux. La Constitution ne dit pas que les gens sont égaux, elle dit qu'ils sont égaux devant la loi. C'est-à-dire que ils peuvent avoir une égalité de droit. Il faut que nos droits soient égaux. Ça, c'est important. Mais que nous soyons égaux, on n'est pas égaux dans nos origines, dans nos points de départ, etc. Il faut qu'on soit égaux dans ce que la société offre comme possibilité. Par exemple, le droit d'aller à l'école. Il ne faut pas que l'un soit. On puisse l'inscrire et l'autre non, parce que il appartient à je ne sais quoi, une ethnie, une religion, etc. Comprenez? Ce qui est égaux, ce qui est égal, c'est des droits. De même, le respect. Si je dis, voilà, il m'a pas respecté, mais qu'est-ce qu'il n'a pas respecté? Vous voyez? C'est ou bien une question de rapport personnel, voire intime. Voilà, un père, une mère peut dire que son fils ou sa fille ne l'a pas assez respecté, ou un enfant peut dire que on l'a pas assez respecté dans sa famille, etc. Ça, ce sont des rapports personnels de la sphère privée. Dans la sphère publique, ce qui compte, c'est le respect des droits d'un individu. Comprenez? Il faut que vos droits soient respectés. Vos droits, par exemple, de pratiquer votre religion. Et si la pratique de votre religion m'oblige, moi, à amputer ma liberté d'expression, alors à ce moment-là, ça pose un problème. Ce que la loi peut vous accorder, c'est de pratiquer votre religion, d'avoir avec votre Dieu les rapports que vous voulez, de lui dire ce que vous voulez, d'avoir vos réunions, etc. Mais si la pratique, le droit de pratiquer cette religion implique le non-droit pour d'autres d'en parler, par exemple, ça veut dire que vous demandez à d'autres de se soumettre à cette religion pour que vous puissiez la pratiquer librement. Vous comprenez? Et là, c'est un abus. Là, ça devient plus, on déborde le respect des droits. Ça devient respecter mon Dieu ou ma croyance. Ben, votre croyance, vous avez le droit d'avoir vos croyances. Je ne vous les arrache pas. Je peux parler de ces croyances, les analyser, les critiquer, sans que ça entame votre droit d'avoir ces croyances. Est-ce que vous comprenez la différence entre l'égalité des droits et puis l'égalité en soi, voilà. Au nom, alors prenons le mariage ouvert à tous, au nom de l'égalité, mais l'égalité de quel droit? Le droit, c'est inscrit dans les lois, dans la Constitution, etc., que un homme et une femme ont le droit de se marier. Il n'y a pas que, tout simplement, de marquer, de donner à leur union le nom qu'elle a dans le langage. Voilà. Et se marier, ce n'est pas simplement vivre ensemble. Il y a des époux non mariés, s'ils se marient, voilà, on leur donne le droit de le faire. Mais ce droit ne fait pas sens pour quelqu'un qui n'est pas pour un couple qui n'est pas un homme et une femme. Ils inventent un nouveau mariage. Et on peut très bien considérer, ben oui, ils ont droit
d'inventer le leur. Mais ce n'est pas... L'égalité ne force pas à tordre le sens d'un mot comme si c'était une propriété, un avoir, alors que c'est un mode d'être.